Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 154, Pokéboule. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va transformer cette plaque de Eevee et Foam, c'est-à-dire de la mousse EVA, en Pokéboule. Une Pokéboule en mousse, pour que vous puissiez la jeter sur vos potes. Pam! Merde! Ah putain! J'ai encore foutu la caméra dans la Pokéboule, je vais galérer. Allez, c'est parti! On commence donc avec une balle de plus ou moins la dimension voulue. Ici, c'est une balle en plastoc Star Wars que j'ai acheté 2€ dans un supermarché. Le but ici est de créer un pattern, c'est-à-dire un patron qui nous permettra de transformer une surface plane et plus ou moins rigide en demi-sphère. La première méthode donc consiste à recouvrir une moitié du ballon de scotch et de se servir de cette matière comme pattern. Je trace les 4 quartiers de ma demi-sphère et tente d'utiliser un scalpel pour libérer mon pattern fait en scotch. J'en profite donc aussi pour ruiner ma jolie balle Star Wars tombée à l'hôtel du DIY. Sniff. Avec mon quartier de scotch, j'essaye de l'aplatir sur une feuille en la découpant au milieu. Je transfère les traits sur mon papier et le découpe pour m'en servir comme pattern. Je découpe un morceau de mon tapis de mousse Eevee pour que je puisse la travailler sur ma petite table. Et je maintiens mon template avec des épingles sur mon morceau de mousse. Il est important que le template ne bouge pas pendant la découpe. Je découpe donc mon premier élément avec mon scalpel et refais la même procédure pour ces 3 petits copains. Après avoir protégé ma surface de travail, je vais pouvoir coller et pour ça, je vais utiliser de la colle néoprène, qui est une colle contact. J'enduis les différentes parties avec la colle, utilise des restes pour bien tout lisser et laisse la colle sécher. Dès que la colle est sèche au toucher, elle est prête. Dès que les deux parties rentrent en contact, elles ne bougeront plus. J'aligne donc et presse les deux parties à coller afin de former les 4 quartiers de ma demi-sphère. Et j'applique ma colle maintenant sur tous les bords extérieurs pour coller les 4 quartiers les uns avec les autres. L'alignement et le pressage des deux surfaces est un point important, donc pour une fois, j'essaye un peu de m'appliquer. Ma demi-sphère commence doucement à prendre forme, alors que j'assemble les 4 parties de mon puzzle. Le résultat est vraiment pas top, voire même complètement foireux, donc je décide de tenter une autre méthode. Vu que ma balle a été sacrifiée, autant l'utiliser pour tenter de faire un pattern décent. Donc, je commence par la couper en deux. Je retourne ma moitié de balle et commence à découper mon pattern, toujours en 4 parties, mais sans finir ma découpe. Et je transfère mon nouveau pattern sur une feuille de papier que je découpe à son tour. Bon, maintenant vous connaissez la musique, je positionne mon pattern sur la mousse à l'aide d'aiguilles, et je découpe le tout avec mon scalpel. Il est important d'avoir un cutter ou un scalpel très coupant, donc n'hésitez pas à changer la lame régulièrement, et je découpe l'autre morceau qui fera la deuxième demi-sphère. Même méthode, j'utilise ma colle néoprène, mais cette fois-ci je vais essayer de faire attention, d'en mettre bien partout, une couche uniforme, et d'attendre suffisamment que la colle soit bien sèche avant de tenter l'assemblage. Il est donc temps d'assembler les différentes parties de ma demi-sphère,
en appliquant une pression avec force et conviction les deux parties accolées. La flexibilité de la mousse EVA vous permet de rattraper certaines petites erreurs, et c'est plutôt bienvenu. Et voilà, j'ai mes deux demi-sphères, mais qui ressemblent pas vraiment à des demi-sphères. Je les ai coupées, tenté de les former avec un sèche-cheveux chaud, c'est nul, mais alors super nul. Dernière tentative, et j'espère que ce sera la bonne cette fois-ci. J'ai découpé chaque quart de demi-sphère en deux pour tenter d'aplatir encore plus le pattern et lui donner du volume. Bon, c'est la troisième fois que je le fais, donc maintenant vous connaissez la chanson par cœur. On positionne le template, on le maintient avec des aiguilles, et on le découpe avec le scalpel. C'est bien, vous suivez. Cette fois-ci, j'ai utilisé directement mon ballon, plutôt que de le reporter sur du papier. Ça m'évite les erreurs accumulées de traçage, et surtout, le plastique du ballon me donne un guide plus solide que le papier pour la découpe. Pour la colle, cette fois-ci, j'ai décidé de sacrifier un pinceau super cheap pour tenter d'avoir une surface de colle encore plus harmonieuse. Le principe reste le même. Je mets de la colle, je l'étends avec le pinceau sur toutes les surfaces, et j'attends que la colle sèche avant de pouvoir assembler les différents éléments. Et j'assemble mes deux futures demi-sphères. L'application au pinceau a rendu l'assemblage bien plus simple, je le recommande, même si ça veut dire ruiner un pinceau. Bon, c'est pas parfait, mais ça devrait le faire. En tout cas, c'est mieux que les deux autres essais. Je découpe une bande de mousse pour faire la jonction de la Pokéball. Et je découpe aussi deux pseudo-cercles pour faire l'espèce de bouton bizarre sur le devant de la Pokéball. Et je commence à assembler ma Pokéball. D'abord la première demi-sphère avec le bandeau de mousse. Et j'en colle la deuxième partie de ma boule qui commence à prendre forme tout d'un coup. J'assemble enfin les deux parties. Bon, ça ressemble plus à l'étoile noire qu'à une Pokéball, mais j'espère qu'à la peinture, ça réduira un peu le désastre. Je colle les deux parties du bouton, et la partie fabrication est enfin terminée après 3 tentatives. Un petit coup de ponçage pour que la peinture accroche bien, et je vais masquer une partie de ma boule pour peindre tout ça en blanc. Je pince à la bombe avec de la 84 de chez Montana que j'ai acheté chez All City à Paris. C'est une peinture à base d'eau qui ne va pas attaquer la mousse, au contraire d'autres peintures en bombe. Je passe une première couche relativement légère en essayant de ne pas oublier d'endroits, des petites passes qui se recouvrent les unes les autres. Et je passe une deuxième couche. Et je vais pouvoir préparer la deuxième couleur, le rouge. D'abord en enlevant le précédent masquage, puis en masquant le blanc que je viens tout juste de déposer. Avant de m'attaquer au rouge, je vais d'abord faire une sous-couche de blanc, avec la couleur noire de la mousse, obligée pour avoir un rouge qui pète bien. Et je passe ma première couche de rouge, et je pense que j'ai eu raison de faire une pré-couche de blanc. Le rouge ressort nickel. Deuxième couche de rouge, pour bien tout couvrir et n'oublier aucun endroit. Après avoir laissé sécher ma deuxième couche de rouge, je vais pouvoir enlever le scotch de masquage et découvrir enfin ma Pokéball peinte. Quelques petites bavures, une boule qui n'est pas vraiment complètement ronde, mais pour une première tentative avec de la mousse, il y est. Un résultat correct, vu la difficulté du projet. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Une pseudo-pokéball qui est pas sphérique, qui respecte pas vraiment les proportions de la pokéball, mais que vous allez pouvoir jeter à vos potes. Comme vous avez vu,
pas mal de galères sur les patterns, pas mal de galères sur la finition, et la finition est pourrie. Regardez ça. C'est vraiment pourri. C'est pourri, mais c'est rigolo. Et moi, je me suis bien marré à faire ça. Je vais continuer à faire d'autres expériences et d'autres trucs avec de la mousse EVA. Il me reste 3 plaques sur les 4 que j'ai achetées sur Amazon. Ça m'a coûté 13 euros, je crois, un truc dans ce genre-là. C'est pas très très cher, et vous pouvez faire plein de trucs super cool avec. Je vais faire des expériences, je vais essayer de le poncer, et on verra ce que ça donne. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas. Il y a le mail, Twitter, Facebook, Instagram, les commentaires. Et si jamais tu t'abonnes pas, je vais t'envoyer la Pokéball. Tu vas voir. Tiens. Ping. Merde. Encore une fois. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de vous aussi vous faire des Pokéball. Ben voilà, c'est tout pour cet épisode fun où j'ai fabriqué une Pokéball en mousse. Faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.